Sur comment le film. Encore bienvenue, merci de vous joindre à nous. Nous sommes à l'épisode 85 sur la décence ou la courtoisie, le respect. Et donc, il y aura Brother Ashish, Sister Dipti qui se joignent. Ils sont vraiment très respectueux, alors ils se souviennent que lors d'une rencontre, il les a rencontrés. Donc, je vais vous présenter Brother Ashish. N'est pas nouvelle pour nous. Elle est un professeur dans le centre de l'Afrique du Sud depuis plusieurs années. Et elle travaille aussi avec Living Values, des valeurs pour la vie. Elle coordonne le centre de Johannesburg. Et elle a beaucoup animé des ateliers pour vraiment redonner le pouvoir aux professionnels. Et elle a visité plusieurs pays. Donc, elle fait partie aussi du Forum pour les jeunes international. Elle est un coach de vie aussi, donc quelques lignes à propos du brother Ashish, une dame très humble, il est toujours prêt à servir. Il coordonne le centre de Lighting House en Angleterre, à Whitty. Pour lui, l'enseignement du Raja Yoga l'a aidé à aller plus profondément dans la profondeur. Il dit qu'il continue toujours à apprendre avec ses enseignements et aussi à apprendre lorsqu'il partage ses enseignements. Donc, il travaille aussi pour une compagnie dans les relations avec la clientèle. Donc, j'ai un poème aussi. Donc, Sister Dipti, Brother Ashish sont vraiment très respectueux. C'est parce qu'à l'intérieur, ils sont très honnêtes dans une entrevue qui a été réalisée très récemment. Ils ont dit, essayez de rester toujours dans le présent parce que la vie nous est donnée comme un cadeau où nous n'avons pas la possibilité d'avoir des remords ou des ressentiments. Parce que nous sommes tous au niveau de l'ascension, bien qu'il semble que le monde soit en pleine phase de descente à notre époque. Cessons de jouer au jeu de la consolation, parce que les gens seront toujours en désaccord. Alors, avec le Suprême, prenons cet engagement permanent et profitons de sa compagnie à chaque instant. Donc, prendre la compagnie du Suprême à chaque moment. Donc, Sister Tara va offrir le mot de bienvenue. Merci. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Au nom de Sœur Claudia et de toute l'équipe, j'aimerais vous accueillir avec ce très beau bouquet de fleurs. Veuillez le recevoir. Ceci symbolise le printemps qui se pointe et aussi vos beaux sourires. Donc, nous avons planté ces fleurs il y a quelques semaines en se souvenant de vous.
Et aujourd'hui, vous allez tous nous élever avec le sujet profond que vous allez développer. Donc, avant. Je pense que chacun de nous connaissons un peu la décence d'une façon un peu plus ordinaire. Nous avons deux rajolis avec nous et je vais en parler de façon spirituelle, la pudeur ou la. Elle dit, donc, l'âme suprême dit, lorsque vous parlez de la vérité, il y a une façon de le faire de façon bienfaisante, convenante, avec courtoisie. Donc, en parler, mais avec une courtoisie spirituelle. Donc, c'est un peu de la façon que nous pouvons être intérieurement courtois, en fait. Donc, veuillez sélectionner le langage que vous désirez écouter. S'il y a des questions, s'il vous plaît, me les envoyer et je vais les passer à nos invités. Merci. Merci, Manoj, avec cet accueil si chaleureux. Je suis très touchée de la façon que tu nous as accueillis. Nous avons eu cette conversation à propos de ce sujet parce que nous pouvons voir différents aspects sur les vertus. Et dans notre conversation, nous allons amener les idées qui sont venues. Ce terme de décence ou pudeur ou donc, c'est une qualité qui vient dans l'esprit comme avoir de bonnes manières, être honnête, savoir ce qui est correct et ce qui est incorrect. Donc, c'était le frère qui disait cela. Maintenant, c'est la sœur des petits. Elle dit, en ce moment-là, j'étais vraiment absorbée dans cette pensée. Je pense que lorsque nous avons passé de toute cette énergie de la courtoisie, j'ai beaucoup aimé ce sujet parce que je pense que vraiment, dans la vie, nous devons passer à travers plusieurs situations. Et de la façon dont nous abordons ces situations sont très importantes. Et souvent, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire face. Mais lorsque je passe à travers ce voyage intérieur, qu'est-ce qui est important? Quelquefois dans le monde, lorsque les gens vont à travers des temps difficiles dans leur vie, ils s'assurent que tous connaissent la situation et deviennent très bruyants à propos de cela. Et dans le monde, on dit, lorsque les gens vont à travers quelque chose passent à travers quelque chose de difficile, c'est que tout le monde sait qu'ils passent un moment pénible, mais la décence, c'est comment voyager dans ce chemin lorsque quelquefois ce que nous passons, les situations ne sont peut-être pas plaisantes, ça peut être et il y a des situations variées qui peuvent être vraiment au cœur du soi. Je dois être sincère,
C'est un espace où je maintiens ma royauté lorsque je vais, pendant que je passe à travers ce qui se, à travers ce que je vis. Bon. Donc, elle répète pour le frère. Donc, je parlais à propos de la décence intérieure. Quelquefois dans notre vie, nous passons à travers certaines choses. Quelquefois, nous devenons si lourds et aussi si forts dans nos paroles et que tout le monde est au courant de ce qui se passe en fait. Mais lorsque j'ai cette convenance intérieure, cette courtoisie intérieure, je ne laisse pas tout le monde savoir ce qui se passe. Je dois passer à travers, mais comment est-ce que je le fais? Et je ne dois pas aller dans un espace de suppression ni de déni, mais garder la royauté dans tout ce que je traverse. Et pour moi, l'inspiration la plus profonde dans mon chemin spirituel, ça a toujours été les daddies. Je les ai regardés, observés. Et cela m'a beaucoup parlé de la façon qu'elle passait à travers les choses d'Adi Goza lorsqu'elle était malade vers la fin. Et j'ai eu la fortune d'avoir pu être auprès d'elle à Mumbai. Je connaissais la douleur qu'elle subissait, mais sa façon de garder le soi-même, la façon qu'elle parlait au docteur, c'était si de façon si royale. Et malgré la douleur qu'elle ressentait à ce moment-là, et dans la royauté, la dignité, la décence, c'est ce que je peux appliquer cela à moi, lorsque je passe à travers mes situations. Daddy Jenki aussi, c'était une âme qui. Et Daddy, même si les autres étaient bruyants ou racontaient plein de choses, elle gardait tout à l'intérieur, tout ce qu'elle vivait, je pensais, à ce niveau profond de les bonnes manières intérieures, comment je me traite en temps d'adversité, lorsqu'il y a. Comment est-ce que je. Comme Brahma Baba, tous les problèmes ne se montraient jamais sur son visage. Donc, il avait une telle royauté et un tel respect tout en passant à travers les choses. Ce n'est pas qu'il n'avait aucune situation dérangeante, mais si moi, ça me fait réfléchir. Et je voyais une sœur qui a un cancer et elle passe à travers de telles douleurs, mais l'âme était si paisible, si royale. Et je ne pense pas que ce soit de la suppression, je ne pense pas que c'est un espace où elle dénie tout ce qui se passe, mais elle a un certain niveau de respect. Et son cheminement intérieur, elle est si royale en passant à travers tout ce qu'elle doit vivre. Je pense que c'est une grande chose dans notre vie maintenant, car il y a beaucoup de choses dont nous devons faire face. Et donc, ne pas attirer l'attention vers le soi et dire, ah, tu passes à travers des choses qui sont si misérables. Mais vraiment, ça, c'est notre propre choix. Donc, le frère dit, c'est intéressant ce que tu viens de décrire parce que l'intensité, parce que tout le monde passe à travers cette intensité en ce moment. Et cela fait ébranle le monde.
Et cet exemple de la sœur, la première chose qui est venue à l'esprit, c'est qu'il y a du pouvoir dans l'âme. Et cette force nous permet de nous détacher de notre douleur parce qu'il y a de la douleur, mais il n'y a pas de souffrance. Donc, souffrir, c'est optionnel. La douleur est toujours là. La douleur va venir dans notre vie, mais la souffrance, pourquoi est-ce que nous prenons la souffrance? Je pense que vous êtes dans votre temps, vous êtes dans votre niveau de respect de soi et que nous commençons à faire face à différentes situations. Oui, la douleur va faire partie du processus, mais la souffrance, lorsque je souffre, c'est que j'ai commencé à perdre un peu de mon pouvoir. Donc, je dois maintenir ce pouvoir spirituel et c'est très important parce qu'on dit. Que toute la souffrance que nous imprégnons dans notre cœur d'une façon ou d'une autre va se voir, va se reproduire dans notre vision, dans nos paroles, mais nous devons être coopératifs, patients. Nous pouvons devenir impatients et forcer les choses avec les autres et notre attitude peut changer. Je pense que pour moi, comment est-ce que je construis cette capacité? Bien sûr, les influences vont venir dans notre vie, mais nous pourrions être moins influencés, plus tolérants face aux situations. Et de ma propre expérience, l'intensité était telle, tant de choses sont apparues dans ma vie, et j'ai absorbé, mais peut-être pas jusqu'au point où. Et donc, je savais l'attention que je devais porter à moi-même pour vraiment apaiser les émotions, les sentiments que je vivais. Et ensuite, parce que cela va affecter les autres. Si j'absorbe la douleur, cela va affecter les autres. Et je l'ai vu parce que j'ai perdu quelqu'un de très proche. Et c'est la première fois que j'expérimente une telle chose. Et ce que j'ai réalisé, c'est que je n'avais pas anticipé la peine que cela aurait sur moi. Ce n'était pas vraiment perdre la personne, mais je pense que c'est la tempête. Mais je ne pouvais pas maintenir mon niveau avec toute la peine que je ressentais tout autour de moi. Donc, l'intensité des situations ne seront pas toujours pareilles, mais je dois apporter vraiment cet aspect de décence, So I suppose then the first energy that we deal with in the whole journey of decency is our self-respect. Que nous devons apporter dans cette vertu, c'est le respect de soi, c'est ce qui est venu. Je ne peux pas être. Je ne peux pas avoir cette pudeur et cette dignité face à moi là, si je n'ai pas de respect de soi. Mais avec le respect de soi, je développe le pouvoir intérieur dont tu parles. Il y a de la résilience pour être capable d'exprimer de la bonne façon et. Donc, je maintiens ma dignité
Et donc, lorsque les situations se produisent, je ne perds pas ma patience. Et ces moments sont très importants lors de notre cheminement parce que c'est la royauté que nous avons besoin dans notre vie. Et je pense aussi que pour moi, un des outils, c'est d'être capable de vraiment maintenir cet espace. Je fais mon... J'écris chaque jour, je tiens mon journal. Chez les Brahmakumaris, on dit je garde mon bilan. Et je trouve que lorsque je suis capable de faire cela, je peux vraiment nettoyer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si je ne nettoie pas ce qui se passe à l'intérieur, cela va s'exprimer vers l'extérieur. Non pas que je vais mettre un pansement surtout sur la façon que je m'exprime afin que personne ne puisse voir ce qui se passe. Donc, peut-être que je ne dirai rien, mais ils vont sentir la lourdeur dans mes vibrations et tout ce qui se passe à l'intérieur se pratique vraiment se développe à l'extérieur. Donc, de développer cette royauté intérieure, cette pudeur intérieure ou royauté. C'est lorsque je vraiment nettoie et que le cœur devient propre. Ce n'est pas que toute la situation a changé, que tout est parti, et je dois vraiment déborder dans le haut de façon correcte. Donc, lorsque je le fais, je me sens propre à l'intérieur et je navigue dans ma vie, même avec les gens, mes compagnons. Les gens autour de moi vont savoir que je passe à travers certaines choses, mais c'est de vraiment nous traiter nous-mêmes avec royauté, parce que sinon. C'est intéressant ce que tu dis. Quelquefois, je parle de réagir honnêtement. Lorsque j'ai réagi, c'est que je veux être honnête, mais en fait, l'honnêteté doit venir aussi avec beaucoup d'amour, équilibré avec l'amour. Donc, j'ai été honnête sur ce que je pense de toi. Mais quelquefois, c'est violent ce que je projette, c'est des jugements. Donc, j'apprécie vraiment ce que tu partages, ces outils. Et ce qui. Donc, le défi, c'est plus tu es honnête, plus tu vas. Donc, tu vois les couches de l'honnêteté. Donc, il dit combien est-ce que je suis honnête avec moi-même. Ce n'est pas vraiment ce que tu écris dans ton journal, mais de façon pratique, que ce sont des aspects utiles pour vraiment nettoyer l'espace intérieur. Une des lois dont nous sommes conscients, c'est la loi de ne pas prendre de peine et de donner de la peine. Ils sont vraiment connectés. Alors, s'ils ne sont pas capables de garder cet espace intérieur propre, nous n'aiderons pas les autres. Donc, si tu peux partager quelques pensées là-dessus, ce que je trouve lorsque j'écris dans mon journal, le premier aspect, la décence ou la courtoisie avec le soi, j'écris.
Mon journal est normalement une lettre à papa, donc je lui écris, je ressens. Et tout ce que j'écris, je le ressens. Lorsque je le ressens, beaucoup de choses émergent. Juste le mot ou les deux mots, je sens ou je ressens. Donc, ça fait partie intégrante de la façon de nettoyer le cœur. Donc, je ne pense pas trop, mais je permets à mon crayon d'écrire ou à mes sentiments aussi de se projeter sur la page. C'est un espace est très important parce que les choses sont tellement, parce que on calcule tellement et spécifique, mais ces choses-là sont là. Si vous ne faites que les écrire, vous faites cette écriture automatique et le cœur se nettoie et plus léger. Donc, le signe que vous avez vraiment fait émerger et écrit ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez au bon endroit. Vous êtes devant Dieu, un générateur. Donc, Baba, c'est comme Baba dit, ne faites que le. Baba est le purificateur. Donc, Dieu est le purificateur. Donc, je dois vraiment laisser cette énergie me purifier. Et ce que je fais avec moi-même à ce moment-là, c'est très important. C'est comme si le respect de soi, c'est que je ne garde rien à l'intérieur qui n'est pas propre. Lorsque je peux vraiment respecter cela à l'intérieur, alors c'est un des plus grands cadeaux que je peux me donner et donner au monde. Oui, donc le premier aspect que je pense aujourd'hui, c'est la royauté envers le soi, la bonne manière, la manière de la façon que je gère mon espace. Mais ça nous amène au deuxième étape de ma relation ensuite avec les gens. C'est comme lorsque je suis capable de travailler sur moi-même, passer à travers la vie avec royauté, dignité, paix, malgré tout ce qui se passe. Non pas en supprimant, mais je prends la force intérieure, le respect de soi, je vais dans cet espace de façon très puissante. Et Massabietta Dadi disait, les Dadi disaient, restez dans vos Mariadas, ne sortez pas de vos Mariadas. Lorsque je passe au travail, ne soyez pas bruyant. Donc, embrassez la situation avec le pouvoir, la dignité, Mais cela m'amène à la prochaine étape. Mais quelle est ma relation avec les autres? Et encore une fois, ici, je pense qu'on voudrait avoir de l'honnêteté, de la transparence avec les gens dans notre vie. Mais donc, nous savons que toutes les relations ne sont pas parfaites. Et dans nos relations, peut-être qu'il y a des défis. Et nous regardons certaines choses. Quelquefois, les gens vont dans cet aspect d'être très gentils dans nos relations, mais la gentillesse ne veut pas toujours dire l'honnêteté. Et peut-être que tu es gentil parce que tu as peur ou parce que à cause de certaines énergies qui ne sont pas saine. Donc, on te dit, tu dois être gentil, mais on fait de la compulsion, mais ça ne vient pas d'une profondeur, d'honnêteté. Les gens peuvent être gentils, mais pour combien de temps? Et lorsque je suis gentil de cette façon, quand est-ce que tout ce que je pense va vraiment sortir? Il y a des gens qui ne font qu'exploser. Tout vient, tout sort. Donc, ce n'est pas non plus très sain. Quel est l'outil vraiment sain?
de vraiment me garder dans ma décence, dans mon respect, dans ma courtoisie. Peut-être que les gens dans mon entourage sont peut-être différents, peut-être qu'ils me crient, j'ai des défis, ils me défient, peut-être qu'ils pressent mes boutons et je deviens réactive. Comment est-ce que je reste dans mon... Comment est-ce que je maintiens mon attitude royale dans ces relations tout en dealant avec tout cela, tout en composant? Pour moi, il y a des choses qui m'ont aidé. Je pense toujours comme lorsque j'étais enfant, j'ai grandi très, très seule, comme une princesse dans ma maison. Je n'avais pas besoin de m'arranger avec beaucoup de gens autour de moi. J'étais comme une présence, une princesse avec mes parents. Et lorsque j'ai déménagé dans le centre et j'ai déménagé avec 6 autres sœurs et nous partagions des chambres, et tout à coup, ma vie était entourée de tant de gens. Je n'avais jamais pensé à ce que mon chemin spirituel serait. Et très tôt, j'ai réalisé que j'étais là pour Dieu et que je travaillais dans cet espace parce que les autres aussi avaient été choisis par Dieu. Nous vivions ensemble et aussi, j'ai toujours ressenti qu'il y a certaines choses que je pouvais faire mettre en place à peu près immédiatement. Et une chose qui m'a beaucoup aidée, que je me suis dit, c'est la relation en premier, la tâche en second. Donc, la relation en premier, la tâche en second. Donc, si vous mettez en ordre cette relation, tout va grandir de belle façon. La deuxième chose que j'ai trouvée qui m'a aidée pour maintenir cette sorte d'espace, je prends toujours du temps pour comprendre les gens. Et j'ai pris beaucoup de temps et vraiment comprendre les gens avec qui je vivais. Et j'ai vraiment fait en sorte de mon mieux pour danser avec cela. Et mon professeur m'a dit, en tant que j'étais enfant, lorsque j'ai dansé, mon professeur me disait, ne commence pas à danser tant que tu ne connais pas le rythme de l'autre. Donc, c'est vraiment une belle leçon de comprendre qu'avant que je danse avec toi, je dois vraiment comprendre ton rythme dans la danse et vraiment prendre du temps pour comprendre d'où viennent les gens. Et donc, deux dans le centre coordonnaient, nous coordonnions deux sœurs. Elle est très stratégique. C'est une visionnaire. Mais je comprends comment les deux devions travailler ensemble. Donc, j'ai compris qu'on échangeait en fait nos forces. Elle utilisait mes forces et j'utilisais les siennes. Il y a cette dignité dans la relation. Nous étions capables d'opérer de tout ce que nous étions au lieu de nous compromettre, parce que nous compromettre dans nos différences. Donc, lorsque nous comprenons le rythme, nous comprenons avec certains principes, donc la relation devient authentique et transparente. Si ce n'est pas cela, il y aura un temps où je vais vraiment dépasser la ligne et cela ne sera pas très, très bon. Ce ne sera pas très beau. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que tu vois les valeurs dans les
les valeurs, les autres, leurs qualités spéciales. Et la pensée qui vient, c'est comme un complément, compléter avec l'autre. Lorsque tu es capable de te moudre avec l'autre et voir quelle valeur tu peux apporter dans la relation, les valeurs de l'autre. Et donc, à ce moment-là, on est capable de travailler de bonne façon avec les autres parce que sinon, c'est toujours... on dit toujours ceci n'est pas approprié ou... Donc, nous venons dans un endroit. Donc, on doit arrêter de comparer, de critiquer. Et je pense que c'est très subtil comment l'ego émerge dans notre esprit et nos pensées. Il y a cette... nous commençons à voir les besoins, les sentiments des autres et je pense que c'est un processus de maturité et cela aussi requiert que nous maintenions la propreté dans le cœur. Donc, Daddy Yankee disait toujours, nettoyez votre cœur. Il disait, ce que ton cœur joue, c'est pollué, quels sont les différents aspects. Donc, nous allons de cet espace and sometimes we may not necessarily see that. And I remember, I think when I went through a phase where j'ai passé je suis passée à travers une phase où que j'ai eu de la peine à l'intérieur dans ma vie et je suis devenue un peu rude dans mes relations et je le savais parce que tout à coup insult someone straight away, but you may decide. Peut-être pas qu'on répond, peut-être qu'on ignore l'autre, qu'on les évite parce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas à propos d'eux. Donc, il y a une forme subtile de réjection, de rejet. Et cela vraiment m'a fait réfléchir ma colère et tout. La colère vient vraiment du fait que je ne comprends pas pour une raison ou une autre. Et cette colère polluait ma vie. S'il y a une chose que je sais que je dois porter vraiment attention, c'est d'être conscient de ma colère intérieure. Parce que c'est très difficile de la reconnaître. Et cela nous empêche d'être honnête avec nous et d'être décent avec les autres. Et donc, le sujet de la colère, en fait, comment c'est significatif, la colère est un pouvoir très puissant. Difti dit, je pense que quelquefois, lorsque nous sommes conscients dans notre chemin spirituel, ne serons pas vraiment ne serons pas lourds avec notre colère, mais cela n'avait pas dit qu'il y a, même si on ne la démontre pas, ça ne veut pas dire que c'est moins puissant parce que les gens ressentent beaucoup plus nos vibrations que ce que nous pourrions penser. J'ai trouvé que nous devons être, encore une fois, cela revient à mon journal, lorsque je regarde mes relations, j'essaie vraiment de les comprendre parce que je dois m'assurer
que la colère retient l'énergie à l'intérieur et si cela ne si on ne fait pas circuler cette énergie facilement, donc je rends donc, quelquefois, on pourrait être tellement occupés au centre, mais nous devons nous assurer d'avoir au moins un repas ensemble. Et maintenant, pendant ce repas, nous mangeons en paix, mais aussi nous parlons un peu. Et lorsque nous parlons, nous créons, à travers les repas, nous créons des liens. Et après un certain temps, cette âme nous soutient en réponse à certains défis dans nos relations. Donc, notre voyage ce n'est pas seulement de coopérer avec les défis, mais c'est aussi d'investir aussi dans les autres. Regardez Dadi, elle respectait tout. Elle respectait tout ce qui se passait dans chacune de nos vies et parce qu'elles ont investi dans cet espace pendant une certaine période de temps, je peux être honnête dans ce que je vis. Peut-être que tu écoutes de la musique. Donc, il y a un petit peu de musique parce que c'est le traffic control. Juste cet aspect, encore une fois, lorsque les relations restent saines, donc il n'y a... C'est parce qu'il n'y a pas d'occasion de vraiment de construire ces barrages dans nos relations. Et lorsque cela arrive, nous ne composons pas seulement avec le présent, mais aussi avec les choses du passé. Et parce que la peine exagère les choses. On se dit, bon, on va commencer à blâmer l'autre. Dire, ben là, tu te souviens, tu as fait ceci, tu as fait cela, et tout vient, tout sort. C'est comme si nous avons encore une fois dépassé cette ligne. Et donc, je trouve... afin de développer des relations qui sont respectueuses des centres. Ce n'est pas vraiment les situations, mais c'est d'investir dans les relations. Et c'est en investissant dans ces relations journalièrement et mon investissement, ce n'est pas parce que j'ai un agenda, mais c'est que je donne de la valeur à ce que tu es parce que tu es aussi sur ce chemin avec moi. Et plus je vais dans la profondeur de cette reconnaissance que tu es avec moi dans ce chemin, j'ai la capacité de te répondre avec ce niveau de respect. Mais si je ne t'ai pas reconnu et si je n'ai jamais eu cette capacité de savoir comment investir en toi, ma décence dans la relation sera superficielle. Cette courtoisie sera seulement pour être gentille et je ne pourrai pas composer autant que je voulais. Et c'est là que ce barrage va continuer de se construire et cela va venir à se voir sur mon visage. Je deviens si lourd que les gens le ressentent. Pour moi, le deuxième niveau de cette courtoisie dans les relations vient de ce point dynamique de reconnaître qui tu es. Donc, laisse-moi reconnaître qui tu es et investir dans ce que tu es. Donc, ma relation avec toi ma relation devient automatiquement royale, dignifiée, divine en fait. Ma relation avec toi devient élevée, dans un niveau plus élevé, parce que je reconnais qui tu es. Si je ne te vois seulement comme Ashish,
Je vais avoir une relation avec toi à un seul niveau. Mais si je te vois comme l'enfant de Dieu, je vais vraiment avoir une relation qui est différente avec toi. Les gens disent, soyez courtois dans vos relations. Vous ne pouvez pas être quelque chose juste de façon superficielle. Vous ne pouvez pas. C'est ce qui est à l'intérieur qui va s'exprimer. Et donc, un aspect profond de ceci, de la reconnaissance de cet être humain, la valeur de cet être humain. Trois, reconnaître, valoriser. Donc, on va pouvoir avoir une façon qui est complète et je serai honnête avec toi et mon honnêteté va venir avec du respect. Si vous regardez le Dadi Prakashmani, qui pour moi, je pense qu'elle m'a enseigné la plus profonde leçon. C'était une âme si honnête. C'est celle qui détenait la vérité. Mais même si elle tenait la vérité, elle ne laissait jamais aller son respect pour moi, jamais. Ou personne d'autre que j'ai vu. Et pourquoi est-ce qu'elle était capable de faire ça? Parce qu'elle reconnaissait qui j'étais vraiment. Non pas seulement d'été, mais elle reconnaissait l'âme. L'âme avec laquelle elle interagissait. Quelquefois dans notre vie, nous ne prenons pas assez de temps pour comprendre les gens et reconnaître où ils sont dans leur journée. Donc, les relations deviennent très ordinaires. Je dépasse les frontières, je deviens familier. Et c'est un autre aspect. On dit que la familiarité apporte du... Donc, si je deviens trop familière avec toi, alors je dépasse les frontières et je ne peux pas être royal avec toi ou courtois avec toi ou avoir de bonnes manières avec toi. Le frère dit, c'est intéressant de cette dynamique de relation que Daddy disait. Donc, le respect, c'est vraiment dans la présence, c'est la vérité et l'amour. Quelquefois, on pense que c'est seulement l'amour, mais nous devons être aussi vrais, d'être authentiques, d'avoir cet échange de valeurs. Une autre chose, dans la relation, c'est un aspect élevé aussi de chaleur. Mais quelquefois, cela disparaît. Je me souviens une expression d'Adi partagée. And it really struck me. She said, does the other trust your love for them? And that's all she said, but it was one Elle of the disait most... disait que les autres vont avoir confiance dans l'amour que tu vas leur porter. But if it doesn't, if that person doesn't trust our love for them, they will never receive it. Si cette personne n'a pas foi en notre amour pour eux, ils ne vont jamais écouter ce que l'on dit. Cela ne viendra pas d'un aspect de bienveillance ou de compassion. Et je pense que nous devons avoir l'amour dans tout. C'est cela qui va créer, si nous ne l'avons pas, ça va créer des défis dans nos relations. Et cela va se traduire par des relations qui sont très familières. Et donc, parce que peut-être que je pense que je les aime, mais en fait, si je vais profondément, je ne les aime pas. Et cette habitude de vraiment focusser sur leur... Donc, c'est lorsque je focus vraiment sur leur faiblesse, instantanément, nous oublions leur valeur parce que nous focusons trop sur une de leurs faiblesses. Et c'est quelque chose que peut-être que nous n'aimons pas nécessairement cet aspect, mais nous les condamnons aussi. Donc, je dois vraiment porter attention et ce défi à travers lequel les gens passent.
de me permettre, de permettre à mon drishti de voir, de pas laisser mon drishti voir leur faiblesse, parce que cela va changer mon attitude envers them. Donc, il y a aussi les attentes. Peut-être que nous retenons beaucoup de, nous avons beaucoup d'attentes envers les autres, et cela fait partie de la racine de notre peine, notre souffrance. Et cela transforme ce que nous ressentons intentionnellement ou non intentionnellement. Nous commençons à être violents dans nos échanges juste parce que nous, seulement parce que cet aspect s'est enraciné dans notre cœur et cela revient dans notre intellect. Bon. Donc, la façon que nous les jugeons. This is an evaluation of what you think the other person is doing to you. You know, so I think when we start to use violent language like that, then we lose the aspect of being able to communicate with decency. Because now donc, the other si tout cela se produit, en fait, je résume parce qu'il parle très, très vite, ce frère. Donc, si nous résumons, c'est que toute cette attitude va se traduire par des relations qui seront plus violentes. Donc, je devrais voir les actions que je fais. C'est comment est-ce que nous pouvons interagir les uns avec les autres. C'est... Si nous voyons quelque chose que nous pensons qui n'est pas bien et que nous commençons à observer et nous serons capables d'essayer de le communiquer, exprimer nos sentiments, lorsque reconnaître que nous réagissons avec eux, mais avant, nous devons reconnaître avant d'atteindre le niveau où tout éclate en fait et que nous perdons notre habileté et notre calme. Donc, Marshall Rosenberg qui a écrit sur la communication non-violence. Donc, que nous essayons de rencontrer des besoins de chacun et comment est-ce que nous les respectons. Et alors, Dipni dit, nous grandissons ensemble. Et dans cet aspect de courtoisie, cette royauté, nous grandissons ensemble et nous pouvons voir que nous pouvons être très différents les uns avec les autres, mais nous pouvons grandir ensemble. Et c'est comme laisser le meilleur de toi et le meilleur de l'autre de danser ensemble. Et quelque chose va se produire. Ce niveau de courtoisie peut à quelque chose aussi de très pratique, concrète. Il y a des aspects concrets auxquels nous pouvons regarder. Quelque chose que nous pouvons observer. On pourrait dire, soyons courtois dans nos relations. Mais il y a des choses pratiques que je peux faire pour exprimer cette courtoisie. Premièrement, pour moi-même, c'est dans mes relations avec toi, laisse-moi être présent. Les âmes, quelquefois, sont ensemble, elles ne sont pas présentes l'un pour l'autre, ils sont dans leur propre monde. Donc, le premier aspect, c'est vraiment... Donc, je dois être présent. C'est la première chose qui est nécessaire. Et aujourd'hui, nous voyons que les relations sont tellement... les gens peuvent même vivre ensemble et ne pas être ensemble. Ils peuvent s'asseoir à la même table, mais ils ne sont pas... Ils sont dans des mondes différents quelquefois. Dans nos relations avec les autres, nous devons être présents. C'est la première... façon d'être courtois, le respect pour l'autre. Et aujourd'hui, nous voyons même dans les maisons, tout le monde est ensemble, mais personne n'est ensemble. Donc, ils habitent ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble.
Donc, d'être présent, c'est un signe de ma relation, ma relation courtoise avec l'autre. Deuxième chose, c'est la valeur. Évaluer le temps. Je porte de la valeur à ton temps. Donc, je mets de la valeur à propos de toi. Disons que si je te rencontre, je suis atteint. C'est comme du respect. Donc, quand je donne de la valeur à quelque chose, si ma relation est décente avec toi, ou je ne prendrai pas ton temps si ce n'est pas nécessaire. Une relation courtoise, c'est qu'il y a plusieurs les manières de respect. Ce n'est pas seulement à propos de la personne, mais oui, avec toutes leurs ressources. Donc, si je vais respecter ton environnement, je ne vais pas envahir ton environnement. Il y en a qui vont dans la maison, quelqu'un, et leur téléphone sonne, ils ont une longue conversation au téléphone, très, très forte. Ils oublient qu'ils sont dans ta maison. Ils ont oublié qu'ils sont venus te visiter. Ils ont oublié que tu étais là. Ils ont oublié. Donc, la vraie courtoisie, c'est que je te donne de la valeur. Je donne la valeur à ton environnement et je respecte tout cela. C'est comme une simple chose à penser. Donc, s'il y a un téléphone, est-ce que je peux, s'il te plaît, prendre cet appel ou dire, OK, c'est un appel important, je vais juste le prendre quelques instants. Mais les gens sont vraiment dans leur propre monde et donc cette courtoisie dans les relations, donc, ils parlent très fort dans ta maison, ils oublient que ce n'est pas leur environnement, ce n'est pas leur maison. Donc, je te respecte, je respecte ton environnement et je continue de te donner de la valeur. Je garde. Elle dit, oui, c'est une chose très pratique, concrète, et que cela commence. And I think, you know, connected to presence for me is the capacity to listen with an open heart. And la valeur appréciée. We don't hold a space where we can listen with an open heart. We listen to give advice. We listen to want to guide. Non, nous écoutons pour donner un avis. Peut-être que nous n'écoutons pas avec un cœur ouvert. Because sometimes you can put yourself in a position where, you know, people are, you feel obliged to lend an ear for other people's violence. So they come and dump all of their stuff on you, and then they walk away feeling fantastic and light, but you're left feeling exhausted. And you've just become the dustbin where they kind of unload all of that stuff on you. So I think a big part of being decent to myself is to really use this faculty of discrimination and recognizing whether the other person, you know, we can discern whether the other person is coming to just unload and not change, or actually they really are wanting value in that relationship where you're able to guide, you're able to just even hold the space. Sometimes you don't necessarily, I know in some of the relationships that I've had, saying nothing has been a very powerful space, just so that the other person can express themselves and feel. Donc, vraiment donner de l'appréciation à cet espace, l'espace de l'autre, et nous sentons vraiment non seulement appréciés, mais aussi en sécurité si l'autre vraiment m'écoute vraiment. Donc, de maintenir cette relation. Une chose que j'ai écrite. Yeah.
C'est comment nous pouvons recevoir, nous recevons les uns les autres, je n'ai pas très bien compris. Il dit, il y a tellement de choses qui arrivent qui sont hors contrôle, de contrôle. Et donc, tant de choses qui arrivent et les gens oublient que d'apprécier que vous faites vraiment le meilleur. Et peut-être accepter que les gens ne font que leur font de leur mieux, en fait. Donc, être, garder ça dans notre cœur, que les gens font de leur mieux. Et une partie, c'est que lorsque tu es authentique, il y avait un sociologue qui disait comment les gens te jugent, deux choses sont venues. Les gens te jugent sur deux choses. La première chose, c'est est-ce que je peux te faire confiance et comment tu es compétent. Donc, d'être digne de confiance, c'est te finir que c'est la valeur que tu apportes dans une relation, que les gens te font confiance automatiquement et tout cela est connecté avec le cœur. Si tu as un cœur ouvert et que tu es naturel, la confiance est établie instantanément. C'est une partie de nos relations. Peut-être que nous ne sommes pas compétents. Peut-être que nous ne sommes pas compétents pour les aider, mais ils vous font confiance. J'ai senti que les choses viennent vraiment du cœur et donc il y a cette présence de l'amour où nous pouvons donner avec notre cœur. Et Daphne dit, et je suppose que cet espace du cœur doit être recherché avec une vertu, un pouvoir. J'ai besoin de vraiment savoir comment je peux les prendre. Je trouve vraiment que où ma connexion avec Dieu dans mon temps de silence vraiment me recharge d'une façon, dans un espace si important que l'âme peut être empli de cette paix, de respect de soi, fil ou empli aussi de cet amour. Je pense que la valeur de la décence ou de la courtoisie vient naturellement et de façon très naturelle, oui. Nous ne faisons que mettre les choses en place dans notre propre cheminement. Nous devons faire ce travail sur le soi et vraiment avoir cette relation vivante avec Dieu et laisser cette énergie vraiment me guider et me soutenir. Elle dit l'autre jour, quelque chose est arrivé. Je me suis vue et j'ai dit à Baba, je ne veux plus être sensible. Je ne veux pas être sensible. Et je suis allée vraiment à Dieu en premier avant d'aller à quelqu'un d'autre instantanément. J'ai ressenti son pouvoir instantanément et j'ai dit merci beaucoup. Tu gardes toujours ma dignité dans mon cœur et nous sommes dans un processus et nous ne sommes pas 100% parfaits. Quelquefois, les choses nous touchent, mais ma première référence, mon premier point de référence, c'est où est-ce que je vais? Pour moi, c'est vraiment d'aller concrètement, c'est d'aller à Baba, d'aller à Dieu. Je veux dire, à notre centre de méditation, il y a la chambre à Baba, c'est la chambre de méditation. Si j'y vais très souvent, j'y vais très souvent pour connecter, j'y vais même pour une demi-minute. J'y vais juste pour me renouveler, en fait. Recharger. Et je dois être capable de rester cette courtoisie
de m'amener dans un niveau très élevé dans notre chemin spirituel et cette connexion qui est, et avoir cette connexion avec celui qui est toujours dans le respect de soi, qui est toujours puissant et avec lequel je peux vraiment prendre cette journée. Donc, c'est l'effet. Et si je suis capable de prendre ceci de cette façon, alors toutes les autres énergies vont vraiment vont prendre place. Donc, elle dit je sais que nous pouvons parler ensemble pendant des heures. Mano, je sais qu'on peut parler ensemble. Mais tu peux nous guider? Donc, il y a une question. Tu as parti beaucoup à vraiment apprécier la personne, les écouter et donc d'apprécier leur temps, leur environnement. La question, est-ce que je dois... Comment est-ce que je peux respecter un voleur qui vient, par exemple? Est-ce que je peux me comporter décemment avec lui? Donc, le frère répond que une des choses que j'ai réalisées est qui que soit la personne ne devrait pas changer ma façon de le voir. Donc, c'est très important parce que cela change notre... Lorsque nous voyons quelque chose d'injuste, nous changeons notre aspect, donc nous devenons comme eux. Je devrais être capable de voir ce voleur comme... Mais garder l'espace de respect pour quelqu'un. Quelquefois, j'étais dans des situations où je savais que l'autre était malhonnête avec moi, face à moi, mais je devais me rappeler. Peut-être que j'ai déjà été malhonnête aussi, donc vous pouvez juger leur action. C'est lorsque nous les jugeons du résultat de leur action que nous commençons à ne plus les aimer. Nous voyons que cette âme, c'est un être. Il y a de la bonté. Peut-être qu'ils ont perdu leur chemin, mais je ne les condamnerai pas pour leur action. Mais aussi, discerner, parce que c'est très important que lorsque le troisième œil est ouvert, on va pouvoir comprendre les faiblesses des autres, mais sans les blâmer, sans les juger. Parce que si vous gardez le jugement, la critique, instantanément, vous n'allez pas les aimer. Et donc, selon la loi de l'âme, connaissons les conséquences de leur action seront les leurs. Donc, nous n'avons pas à prendre la loi entre nos mains, ce qui est bien ou pas, ou les condamner, mais parce que ce n'est pas en notre pouvoir. Si nous pouvons faire les choses, si nous pouvons rendre cette interaction remplie d'amour et vraiment avancer sans irrespect face à cette personne, nous aurons cet équilibre. Donc, c'est une perspective. Lorsque nous commençons à penser à tout cela, nous voyons toutes les lols, aussi les conséquences du décompte karmique. Lorsque nous sommes conscients de toutes ces choses, nous pouvons vraiment porter attention à comment nous interagissons, même avec les âmes qui ont démontré de la haine, la diffamation d'une façon ou d'une autre. Nous devons être capables d'avoir un grand cœur
Et je pense que ce voyage, c'est vraiment... Nous avons beaucoup parlé d'un cœur propre et de faire émerger notre bonté naturelle. Vraiment, Daddy Jenkins nous avait dit trois choses. Il disait un cœur vrai, propre et grand. Donc, je dois garder mon cœur de telle façon que je peux garder de la miséricorde, avoir de la miséricorde pour tous. Donc, parce que ces âmes souffrent elles-mêmes. Et Défini ajoute, et quelquefois, avec cela, nous avons ce cœur, mais et ne pas être naïf non plus. Je pense que nous devons avoir la sagesse. Ne pas être naïf veut dire vraiment de savoir que quelqu'un a certaines tendances et ne pas lui procurer un espace où il peut vraiment appliquer cette tendance. Nous devons être sensibles, assez sensibles, que notre cœur est très grand, ouvert, généreux, mais je ne dois pas leur procurer un espace pour rester dans leur faiblesse. La naïveté, ce n'est pas ce qui... Je ne devrais pas être naïf. J'ai vu que même dans nos seigneurs disaient, elles avaient certaines tendances avec nous. Et elles n'ont jamais perdu l'espoir en nous, mais elles nous ont dit de mettre certaines choses en place afin que nous n'agissions pas. Disons, si quelqu'un est envers quelque chose, une tendance, nous devons les soutenir en ne leur donnant pas de cet espace de tentation. Nous devons mettre certaines choses en place afin qu'elles ne soient pas tentées par leur faiblesse dans leur... Donc, il y a cette balance ou cet équilibre entre les deux. Pour les sociaux médias, deal with such indecency? I mean, people go into a war of words online. Donc, comment est-ce que nous composons avec les gens qui disent des paroles vraiment, vraiment dures sur les médias sociaux? Elle répond, nous devons comprendre ou savoir notre niveau de respect de soi. Et c'est quelque chose de très important parce qu'il y aura un temps que les gens vont partager des choses. Et si je le prends trop durement, je serai affectée. Mais aussi, je dois comprendre jusqu'à quel point, parce qu'il y a une différence entre ne pas être affectée aussi et ne pas être abusée. Je pense que les deux sont nécessaires à comprendre. S'il y a un espace dans mon cheminement que si quelqu'un abuse de moi, je dois vraiment avoir du respect de soi pour laisser des barrières afin qu'il ne continue pas. C'est du respect de soi de faire cela, mais en même temps, si certaines choses arrivent et je connais le potentiel de cet espace qui peut être meilleur, juste être patient et ouvrir, mais de savoir la différence entre jusqu'où mon respect de soi va m'amener à la courtoisie et mon niveau de... et afin que ma capacité ne soit pas abusée. Parce que je dois vraiment avoir assez d'espace pour ne pas être abusée, parce que les gens peuvent abuser de vous et nous devons le savoir. Savoir lorsqu'ils le font et arrêter cela. Donc, nous devons savoir être patient. Nous devons avoir cette énergie de discerner.
They're so indecent on it, and I get out of that app. But I can see that there could be potential for something. It may maybe the reaction is towards an event. Peut-être que la réaction est envers un événement et non pas tout le contenu. Donc, je dois vraiment mettre une ligne et j'ai le choix. Je ne me laisserai pas abuser. Donc, c'est le respect de soi. As both of you spoke, I think you spoke, Sister Dipti, and Brother Ashish can answer this, that there's a question that you all were speaking about throwing out toys from the cot where people just cry out their emotions loud when in pain. So someone's asking that how can we help? It's a close friend of mine who's got this habit of doing this. How can I sort of help her and show that I can take care of her and love her? Comment est-ce que je vais prendre soin de quelqu'un qui vient déverser ses plaintes, je ne sais pas. Là. Je pense que la première chose que nous devons laisser aller, c'est ce désir de vouloir aider les autres. C'est vraiment profond parce que c'est cela qui peut nous amener vers le désappointement, vers et l'impatience. En fait, au lieu d'aider, nous allons porter un jugement critique envers quelqu'un. Donc, c'est d'apprécier et discerner aussi ce que cette personne a besoin vraiment, si je suis capable de discerner cela. Et donc, si je ne suis pas capable de lui procurer, donc je ne suis pas au point de pouvoir l'aider. Que ce soit... Parce que ce soit les médias sociaux ou une personne, ça prévaut pour les deux. Comment je suis, les deux peuvent m'influencer. Si je me retrouve en voulant aider les autres avec leurs propres problèmes, je ne peux pas les aider. Donc, je dois reconnaître et me retourner vers moi-même et dire j'ai besoin de... Parce que nous ne pouvons pas régler les choses pour les autres. Peut-être qu'ils sont proches, peut-être que nous les aimons, mais quelquefois, la meilleure façon, c'est de se protéger des influences de ces histoires. Parce que l'empathie n'est pas assez parce que nous pouvons avoir cette habitude de vouloir sauver les autres et peut-être que ça comble un de nos propres besoins. Et c'est peut-être que nous avons été négligés, une négligence dans notre vie que nous avons subie. Et je pense qu'il y a une différence où vous pouvez avoir de l'appréciation pour quelqu'un. Donc, la meilleure valeur que vous pouvez ajouter, c'est la valeur des bons souhaits, parce que ce sont des vibrations. 5 ou 10 % ce sont les paroles et actions envers nos relations. Je vais arrêter ici parce que c'est un sujet en lui-même. Je pense que Dipti dit quelquefois les gens rejettent les choses, donc nous sommes trop proches de cela, nous n'essayons pas de les aider, nous essayons de gérer tout cela parce que nous ne savons pas comment, parce que c'est un moment inconfortable pour moi, juste comme tu disais, discerner le pouvoir du détachement. Avec cela, je vais t'aider, mais ne me laisse pas m'absorber. Parce que si les gens font cela, j'absorbe et je ne peux pas les aider. Et je me dis, est-ce que j'absorbe dans ce moment leur lourdeur? Parce que je ne peux pas être proactive, je ne peux pas. Donc, je vais regarder, observer, OK, je peux voir que c'est trop proche de mon cœur, je vais m'apaiser
et je vais créer mon propre espace en tout premier. Ensuite, je peux l'aider. Mais si c'est trop proche, nous pensons que nous aidons quelqu'un, mais les deux sont sortis de la casserole. Il dit, bon, Dipti a dit, ben, ne prends pas de peine, ne donne pas de peine. Quelqu'un m'a déçu et je me sens blessée. Donc, je sais que je me crée de la douleur ou une blessure. Comment est-ce que j'arrête de me blesser et être critique? All right. So, I think again here. Encore une fois, des petits dits. Pour moi, c'est notre investissement journalier en soi, parce que cela développe une résilience très forte, très puissante. Et lorsque la peine vient, je suis assez forte pour ne pas l'absorber. Je peux me dire, je ne prendrai pas la peine, mais c'est déjà dans mon cœur, parce que si c'est là, c'est que mon immunité n'est pas assez forte. C'est venu et c'est entré en moi. Je me dis, non, je ne prendrai pas la peine, mais c'est déjà là. Donc, je trouve que c'est à propos de développer une certaine immunité, et cette immunité, c'est quelque chose que je trouve dans mon quotidien. Je dois vraiment investir en cela et ensuite, je n'absorberai pas la peine. Je ne peux pas juste le dire, mais le fait que je continue de le dire, je ne le prendrai pas. Cette énergie est encore là. Mais si je n'absorbe pas parce que j'ai développé une certaine immunité, c'est beaucoup plus puissant. Et les choses arrivent et je pense que personnellement, il y a moins d'effet sur moi. Je ne sais pas ce que je... Quelquefois dans mon cœur, je dis, OK, c'est de la façon que tu te sens. J'ai juste de l'amour pour toi. C'est tout. C'est comme vous pouvez... Peut-être que vous pouvez passer à travers quelque chose, mais que vous ne... réclamez pas certaines choses, mais vous intellectualisez votre moment. Mais construire son immunité, construire quotidiennement votre immunité, vous n'absorberez pas la peine. Pour moi, c'est ce qui vient. Lorsque je vois que j'absorbe la peine, je me dis mon immunité est faible. Donc, merci à chacun de vous. Donc maintenant, Sister Claudia va faire le mot de remerciement. Om Shanti, bonjour, bon matin, bonjour de Vancouver. Nice morning here, a little bit of snow. Yeah, dit un peu de neige là-bas. Comme Baba dit, l'hiver qui se termine et le printemps qui arrive, alors merci beaucoup. Je me disais, mais de quoi est-ce qu'ils vont parler? Et eux non plus ne savaient pas de quoi ils étaient pour parler finalement. Elle dit, cela vient vraiment du respect de soi et de la royauté aussi. Et lorsque la sœur parlait, lorsque nous avons de respecter aussi, d'apprécier le temps des autres, d'avoir certaines barrières aussi, et dans les relations, combien nous devons être honnêtes avec nous-mêmes aussi, et non pas avoir le désir d'aider les autres, parce que ce désir nous empêche d'être décent avec nous. Elle dit que c'était vraiment beau. Sujet, merci à vous deux. Il y a beaucoup de points que je veux revoir, spécialement lorsque nous passons à travers des troubles
à travers la vie ou des situations ou que nous devons et d'accepter ce qui vient et ne pas rejeter rien sur les autres parce que nous rejetons l'énergie vers l'extérieur et nous n'avons pas aucun retour positif avec cela. Merci pour votre temps. J'espère que vous allez vraiment revenir pour une autre conversation. Part, the closing conclusion meditation as well with Sister Dipti. So I'll just do a few announcements. We are actually having a pending silence retreat. We weren't able to do it last Sunday for some reason. Donc, ils n'ont pas pu faire la retraite de silence. These retreats are based on the Brahma Kumari's teachings. Donc, ces retraites sont basées sur les enseignements des Brahma Kumaris. There'll be meditation music as well. And you'll have ample of time to go into silence, almost 15-20 minutes without any music, and churn on the... Et donc, vous pouvez aussi aller en silence et vraiment aller profondément. Donc, la semaine prochaine, ce sera un atelier avec Sister Wadi. In Florida, USA. Elle est la coordonnatrice des Brahma Kumaris en Floride. Donc, nous allons écouter et le prochain épisode, c'est l'efficacité le 16 de mars. Ce sera avec Sister Denise, alors qui va nous joindre de la France. C'est un professeur très senior. Donc, tout est enregistré. Donc, voici où vous pouvez trouver tous nos anciens épisodes. Et maintenant, Sister Dipti voudrait nous guider pour une méditation finale. Merci. Alors, je vous invite dans un endroit très calme, tranquille à l'intérieur de vous. Dans la dernière heure, il y a eu beaucoup de pensées qui sont venues et qui ont activé certaines réalisations. Alors, j'utilise cette énergie de façon puissante lorsque je reviens à l'intérieur. Et je me dis à moi-même, dans mon être originel et vraiment au cœur du soi, je suis paix. Je suis amour. Je suis pureté. Je suis joyeux. J'ai tous les pouvoir spirituel. Et alors que je reste proche de cette vraie identité de moi-même, je réalise que cette vie a placé ou a occasionné beaucoup d'ombre sur cette vérité, mais je reste vrai avec moi-même. Peut-être qu'il y a plusieurs situations, des gens différents. La vie qui a placé différentes énergies dans mon espace. Mais je vais vraiment profondément à l'intérieur. Et je reste vrai avec moi-même. Je sais que pendant ce voyage intérieur, je suis soutenue. Et je continue de maintenir cette connexion silencieuse et bienveillante avec l'âme suprême. The
celle qui est l'océan d'amour avec mon esprit. Je reste proche de l'âme suprême et je me remplis avec ta lumière et ton pouvoir. Tu m'as donné mon respect de soi. Tu m'as vraiment enseigné comment être. En ce moment présent, je reste dans ta présence et je m'emplis avec ton amour, avec tous tes pouvoirs. Je me décore avec tes vertus et je redeviens complet une fois encore lorsque je ressens cette complétude du soi, lorsque je me centre sur la vérité. C'est alors que je réponds à la vie avec dignité, respect de soi, authenticité. Mon compagnon de vie, je reste en connexion avec toi. J'absorbe et j'émets. Je suis rempli et j'offre cela à tous. Je reste avec toi. Om Shanti. Thank you. Thank you so much. Merci. Alors, merci pour cette belle conversation. Thank you, Manoj Bhai, for hosting this. And yeah, really nice to see all of you and all of the team translating, yeah, in the background as well. So big thank you to all of you as well. Thank you. Yeah, Brother Nikhil, sorry, we want to take a quick photograph. Do you know how to do that? Yeah, okay. So if all of you can, because people are usually expecting that photograph, they're opening up with the video cameras. So we'll just quickly take a small photograph before we leave. Just one more minute. Thank you. I think it's done. Okay. Yeah. Thank you. I'm done. Thank you, Brother Ashish. Thank you, Brother Manoj, and the whole team. Mm-hmm. It's been a pleasure to be with you this evening. Mm-hmm.